Wesh, wesh, les petits loups! Et les louloutes! Nous sommes aujourd'hui le vendredi déjà 20 mars. Je crois que c'est le printemps. Le printemps est arrivé avec la saison. Le printemps est arrivé. Et bientôt, c'est le 4 avril 2021, c'est un dimanche, ce sera mon. J'ai oublié de dire que vendredi, c'est le jour des radars. Et oui, musique! Pas bon de fumer. Périmé dans la salle d'attente, je feuillette des revues, attendre encore. J'avoue que j'ai peur. C'est toi, tu sais cracher ou répéter 333 une bonne dizaine de fois. Or la loi est chade, c'est homme dangereux et on ferme les yeux. Il est protégé par la caste des sorciers, non conventionnés aux honoraires onéreux. Alors, que dire de plus? En ce vendredi 20 mars 2021, jour des radars. Vous savez que j'aime bien faire rire les gens. Savez-vous planquer sous à la mode, Obamas? Qu'est-ce qu'on se ramasse au Commodore? Allez-y, c'est incolore. Alors on voit en ce moment ce qui se passe en politique. Alors j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone, alors 06 35 17 65 33 comme le docteur Féou. Et j'ai aussi une double SIM, j'ai le 06 02 34 95 13. Ah 13, c'est l'ébauche de Rome, c'est anciennement le maire de Marseille, Jean-Claude Godin qui explique qu'à Marseille, on n'avait pas besoin de Delanoé pour inventer le VLB à Marseille. Donc c'est Nicolas Cantelou qui à Marseille, avec une simple petite pince, Monseigneur, tout le monde a accès à un vélo. Il y a même les filles qui sont en accès libre à Marseille, à la Canebière. Alors j'en profite pour passer un coucou. Mes copines en Allemagne, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus confinement. Mais Erwin France, cacapoum, parce que là-bas au moins c'est propre, c'est clean, c'est nickel, tandis que chez nous, putain, ils font ça, sûr. Dans des conditions qu'on. Et alors, c'est complètement débile parce qu'elles ont une carte professionnelle, mais c'est interdit de les aborder. Donc ça, c'est une. Spécialité bien française. À l'époque, quand j'étais sous curatelle, et que. Donc un coucou au psychiatre, le docteur Vincent Fonta, qui m'a laissé de curatelle en 2015, et qui avait compris quand tu as expliqué le système de forclusion des crédits revolving et que mon ancien curateur Jacques Schneider m'avait probablement escroqué. J'en passe aussi un petit coucou au docteur Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, fondateur, il a revendu de Doctissimo. Musique. Erreur médicale.
et à la Maison Mimir. La Maison Mimir, ça fait longtemps que je ne faisais plus vu tous les photos de la Maison Mimir. Alors voilà. S'il me regarde, les... Ah, là, ils vont m'interdire. Hé, hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quoi, quoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hé, hey, le canard, on te demande ton avis. T'as pas dit, t'as pas d'avis sur la question. Tu parles pas. Tu parles pas. T'aurais-t-on cloué le bec? À toi, un canard? Non, c'est pas possible. Là, si je commence à parler au canard, là, pique, là, maintenant. Vas-y, je rigole tout seul, en plus, comme ça, en public. Mais j'aime bien faire rire. Alors, je disais donc, faut que je retrouve le fil de fer. Ah oui, c'est une bonne blague en alsacien avec le fil de fer que j'avais raconté à l'époque au psychanalyste Albert Bauer. Et c'est donc, je crois fortement à la psychanalyse. Donc, c'est donc une vache qui a mangé du fil de fer et le paysan l'appelle le vétérinaire. Et le veto arrive et puis dit, mais bon, l'Alsacien ne parle pas le français et le veto ne parle pas l'Alsacien, donc il y a un traducteur. Et le traducteur, là en l'occurrence, c'est le... Enfin, il est dans l'histoire, on peut dire que le traducteur, c'est le psychanalyste, puisque le veto, il dit, et le vétérinaire, il dit à... au traducteur, dites-lui que la vache est malade, elle a mangé du fil de fer. Et le traducteur traduit, dit, tu es Fred, ich glaube, fit den Kopf, comme je n'aime fil de fer. Et puis, clairement, on interdit. Faut parler à l'Alsacien. That's what about the ruling class operated for. They try to divide the rest of the people so they, the rich, can go off with the money to the bank. They spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The game is still dead, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice, nobody seems to care. These are persons of modest means. It doesn't matter. The color of shirt you have on, mine is Nike. Quand le petit Nicolas. These people continue to elect these rich cocksuckers. They don't care about you. They don't give a fuck about you. At all. At all. They called it the American dream. It's because you have to be asleep to believe it. Alors, essayer de retrouver le fil, c'est pas évident. Parce que je m'égare. Il y a tellement de choses à raconter. Et j'ai tellement envie de vous faire rire. Musique. Comment est-ce que vous m'avez dit? Et oui, c'est ça la tension monte dans la chambre à air où tout le monde voit. Allez, jeune homme, encore un effort. La tension monte dans la chambre à air où tout le monde voit. Et pour l'histoire, alors, un jour, quand j'étais sous puissant psychotrope, j'étais en face de mon bourreau. Il me prend la tension, donc je prenais du risperdal. 180 de tension. Je suis en face du mec qui est censé me soigner, il se rend même pas compte que c'est à cause de ces conneries. Et ces gens-là ne m'ont jamais appelé pour s'excuser ou pour donner une nouvelle. Et alors donc c'est pareil parce qu'ils sont protégés par la caste des sorciers, c'est-à-dire c'est l'ordre des médecins, non conventionnés aux honoraires onéreux. Et puis surtout, je veux dire par là. C'est marqué, la protection, c'est que c'est marqué en bas des médicaments, mais en tout petit, comme Danny Boone dans le sketch de Danny Boone. À la poste, je vous invite à regarder Danny Boone, la poste. Hein. Il arrive, il se lève à 5h du matin pour arriver, et il dit, il y a 10 quichets, il y en a un et demi d'ouvert, pour envoyer pour chercher un recommandé. Et quand c'est ton tour, et il dit, bonjour, je viens chercher le recommandé. Ah, on l'a pas. Ah ben, vous l'avez où? Bah, attendez, je vais chercher. Le mec, il part, il dit, tout petit, c'est avec Danny Boone. Et quand il revient, il dit, il n'est pas là. Il est là, 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 il est là
Ah, calmez-vous. Il y a un truc et tout ça. Il y a le litre et tout. Et puis. Alors il dit, ben, soit on l'a perdu, soit le facteur est en train de déposer chez vous. Et vous êtes ici. Il a une boule de la poste. Allez, petit calme, Antoine. Ah! Oh, faut que j'arrête de fumer. Il mou sceptique. Ce qui paraît le ridicule ne tue pas, et j'en serai la preuve vivante. C'est un mec qui s'appelle Jean-Marc, qui est joueur d'échecs. Si ça se trouve, en arrêtant ses saloperies de médicaments, Jean-Marc. Un coucou. Donc, Étienne Mensch. Étienne, qui a, je crois, 2100, 2200 euros. Il m'a prêté 100 euros, il y a un an. Je n'ai jamais eu de pizza nouvelle, on m'a jamais appris. C'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a des gens pétés de thunes à qui j'ai demandé récemment de me prêter 20 petits euros. Ah, naï. Naï, est-ce qu'il est net. C'est l'Alsace. Et naï, est-ce qu'il est net. Mais quand vous composerez le 06 35 17 65 33 ou le 06 02 34 95 13, vous allez tomber sur un mec, c'est moi, très réactif, qui va vous dire yes, yes, we can. Oui, nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons vivre ensemble sans discrimination, sans guerre, etc. Parce que. Musique. Qu'est-ce que je raconte? 59 ans, le 4 avril 2021. Je crois que c'est le printemps aujourd'hui. Le 20 mars, c'est le printemps. Le printemps est arrivé, la belle saison. I'm a bot. Je suis Philippe Stocker, webmaster from googleiswatchingyou.com. End of